J'ai le plaisir de vous retrouver et on va parler de biocarburant dans la transition énergétique et savoir si c'est une solution immédiate ou pas. Alors à ma droite, Étienne Valtel. Bonjour Étienne. Bonjour. Société Altens. Alors on va commencer avec vous, distributeur de biocarburant. Un biocarburant, en fait, c'est tout d'abord un carburant issu de la biomasse. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'en fait, il y a plein de technologies qui permettent d'aboutir à ces carburants. On peut partir des plus basiques qui sont les stérifications qui vont permettre de fabriquer en fait un biodiesel. Typiquement, c'est la méthode de fabrication du B100. Maintenant, il y a des technologies un petit peu plus complexes qui font appel notamment à l'hydrogène comme composé de fabrication, qui vont être des technologies qui vont permettre de fabriquer en fait des gazoles synthétiques issus de biomasse. Typiquement, c'est la technologie HVO, par exemple, qui est la plus connue et la plus répandue aujourd'hui. Maintenant, on parle aussi de technologies un petit peu plus complexes encore, comme le BTL pour Biomass to Liquid, qui vont permettre, via un autre process, de transformer différentes matières premières. Et puis alors, c'est des sujets qui sont beaucoup travaillés aujourd'hui à l'échelle des laboratoires, parce qu'il y a beaucoup de R&D, puisqu'on cherche des solutions pour sortir un peu des énergies fossiles. Tout en étant des solutions faciles à mettre en place pour les professionnels qui les utilisent. On a beaucoup d'acronymes. Le B100, concrètement, on l'obtient comment ? En fait, le B100, c'est donc le process d'estérification fait appel en fait à une transformation chimique. C'est l'utilisation de méthanol et d'une huile. Basiquement, le B100, c'est une huile de colza. Hein. Donc, on va mettre méthanol plus huile de colza. Et ça va nous donner un ester, qui est le B100, le produit final, et une glycérine qui partira ensuite en oléochimie la plupart du temps. On a un peu une idée quand même des proportions de réduction des émissions de CO2 en partant sur du B100. Oui, alors le B100 le plus répandu issu de colza, on parle de 60% de réduction de CO2 par rapport au gazole fossile. Maintenant, en fait, tous ces biocarburants, on va avoir un bilan carbone très dépendant de leur matière première de fabrication. Donc après, selon les technologies, ça va pas influencer beaucoup, c'est surtout la matière première qui va influencer. Le HVO, ce sont des huiles végétales. Alors ça peut être des huiles végétales, mais ça peut être aussi des huiles usagées. C'est plutôt celle-ci qu'on essaye de mettre en avant parce que justement, on va essayer de se sortir aussi de la compétition, on va dire, alimentaire par rapport au carburant. Donc on essaye de plus en plus de traiter des matières résiduelles qui vont en plus avoir un meilleur impact sur le bilan carbone lors de l'utilisation. Si on avait à les hiérarchiser du plus vertueux au moins vertueux, est-ce qu'on commence par le HVO qui est le plus vertueux puisqu'on est sur des récupérations d'huile usagée? Alors, l'intérêt effectivement des HVO, on peut utiliser des huiles usagées qui vont permettre d'améliorer effectivement le bilan carbone, mais au-delà de ça, on va avoir un carburant synthétique qui a aussi un bilan sur les émissions de polluants locaux qui est bien meilleur que d'autres solutions, notamment sur tout ce qui est NOx par exemple, donc les oxydes d'azote qui font beaucoup parler d'eux dans les fameuses ZFE. Ce sont plutôt des solutions plutôt très positives pour l'environnement. Très vertueuses. Aujourd'hui, sur un camion un engin qui est au diesel, est-ce qu'on peut ajouter du biocarburant, du HVO ? Alors, est-ce qu'on peut faire du mélange ou est-ce qu'il faut être dédié au biocarburant? Le principe du biocarburant, c'est d'essayer de substituer un carburant fossile, de substituer une solution plutôt vertueuse et issue de la biomasse. Donc l'idée, c'est plutôt de passer d'une énergie à l'autre. Maintenant, effectivement, l'intérêt du HVO, c'est que c'est un produit quasiment identique au gazole. Hein. D'un point de vue moléculaire, on a exactement les mêmes chaînes. C'est très facile de passer de l'un à l'autre s'il y avait un besoin, par exemple, si on va pas se retrouver en panne parce qu'on a plus de HVO. Donc là, oui, on peut ajouter du gazole. Il n'y a pas de limite de température. C'est plutôt des carburants qui sont même plus techniques. Typiquement, le HVO, en fait, c'est le biocarburant des pays nordiques. Hein, c'est l'inventeur de la technologie, c'est le Finlandais Neste. Donc, on voit bien les contraintes qu'il peut y avoir dans ces pays-là. Donc, on a des produits qui résistent à moins 30 degrés nativement, là où les pétroliers, d'habitude, rajoutent des additifs pour pouvoir atteindre des températures plutôt froides. C'est un biocarburant qui est mature. Enfin, en tout cas, tous ces biocarburants sont matures sur le marché ou avec un retour d'expérience plutôt important.
Alors, si on refait un peu l'histoire, c'est vrai que depuis très très longtemps, l'homme a essayé de transformer de la biomasse en carburant. C'était quand même pour lui ce qui, presque qu'il y avait de plus facile, hein. Je rappelle d'ailleurs que Rudolf Diesel a inventé son moteur pour utiliser des huiles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Oui, il y a du recul. Les esters, ça fait plus de 20 ans que ça existe, et la technologie HVO dont je vous parlais pour les pays nordiques, ça, voilà, la technologie a été inventée il y a 15 ans. Donc c'est des produits qui sont disponibles depuis longtemps et que certains pays utilisent en station-service, c'est disponible, et de très nombreux véhicules, aussi bien poids lourds que véhicules légers, utilisent ça depuis une dizaine d'années dans plein de pays dans le monde. Ces biocarburants, ils doivent répondre à une norme européenne pour pouvoir être utilisés. Alors, il y a des normes différentes, hein, effectivement. Nous, on connaît tous la EN590, qui est la norme de gazole d'aujourd'hui, le B7 qu'on a à la pompe. Après, il y a deux normes, selon qu'on parle de B100, c'est la EN14214. Donc ça, c'est une norme spécifique à tout ce qui est biodiesel. Après, il y a la 15940 pour les HVO, qui est en fait une norme un peu plus large, qui est pas spécifique aux HVO, mais ce qu'on appelle XTL, qui est encore un acronyme, mais qui concerne en fait tous les carburants de synthèse au sens large, puisqu'il y a aussi des carburants de synthèse qui sont faits à partir de produits fossiles. On peut transformer du charbon, du gaz naturel en carburant de synthèse. Donc là, il n'y a pas le bénéfice environnemental par rapport au CO2, mais par contre, on a les avantages techniques d'un carburant de synthèse, c'est-à-dire toute la partie aromatique qui n'existe pas, et c'est cette partie aromatique qui est cancérigène, qui développe les fumées, etc. Donc il y a quand même des avantages. Donc voilà, c'est une norme très large, et en plus, on sait aussi que les produits du futur, on peut parler des power to liquid, donc les fameux e-fuel dont on commence à entendre parler pas mal dernièrement avec les actualités au niveau européen, tous ces nouveaux carburants répondront à cette norme-là. Alors ça, c'est une petite question un peu pratique, mais est-ce qu'il y a une odeur particulière de rejet sur un camion qui fonctionne au biocarburant ? Alors, je ne vais pas dire que ça sort l'huile de friteuse, mais voilà. Sur le B100, il y a une odeur, qui est pas forcément désagréable, qui est pas voilà. Sur les HVO, on a beaucoup moins d'odeur parce que justement, il y a toute cette partie aromatique qui n'existe pas. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a moins d'un brûlé. C'est un produit, comme c'est un produit synthétique, il a de meilleures caractéristiques. Et il va mieux brûler dans le moteur, ce qui fait qu'il n'y a pas toutes ces odeurs de gaz un peu... Voilà. Donc on a plusieurs typologies de biocarburants avec des vertus un peu différentes, en tout cas dans la manière de les utiliser et puis de les produire. Mais techniquement, pourquoi on n'aurait pas des stations avec du HVO en fait ? Qu'est-ce qui est bloquant ? Est-ce que c'est technique ? Est-ce que c'est une infrastructure trop lourde ? Est-ce que c'est parce que c'est transitoire ? Alors ils se disent... non, on va pas mettre de station parce qu'après demain on sera à 100% électrique ou à de l'hydrogène. Qu'est-ce qui est bloquant en fait ? Aujourd'hui, c'est vraiment tout à fait réglementaire. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure des pays voisins. En fait, tous nos pays voisins frontaliers ont choisi de mettre le HVO en station-service. Les derniers, c'était l'Espagne qui ont ouvert des stations là, depuis quelques semaines. Donc, on a des stations au Portugal, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, mais pas en France. C'est vraiment purement réglementaire, donc je pense que la réglementation va forcément évoluer parce qu'on peut pas rester les derniers sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on voit une forte propension de l'État à pousser vers le tout électrique. Donc il y a un moment donné, effectivement, va falloir essayer de trouver, élargir le mix énergétique parce que de toute façon, le tout électrique semble un petit peu utopique aujourd'hui. Un peu compliqué pour servir tout le monde en tout cas, et puis même tous les usages en termes de contraintes, comme on a pu le voir sur d'autres tables rondes. Après, en termes de durabilité de ce carburant, une fois qu'il est stocké dans les cuves, on peut le garder plusieurs mois, ou est-ce que ça peut être altéré par le temps, ou par la chaleur, ou par du froid ? Alors là encore, il faut distinguer la technologie de fabrication du biocarburant, parce qu'il y a deux carburants complètement différents, et il y en a un qui est plus stable que du gazole, il y en a un qui est moins stable. Donc là, il va falloir analyser encore en fonction du besoin. Donc les esters sont plutôt des produits qui ont une durée de vie courte, notamment parce qu'ils ont tendance à absorber l'eau, enfin l'humidité environnante. Donc il vaut mieux l'utiliser rapidement. Les HVO, les XTL en général sont plutôt des produits très stables et plutôt plus stables que les gazoles. D'accord. Est-ce qu'il est facile
pour vous, distributeurs, de vous approvisionner en biocarburant en HVO? Alors, la question hyper basique, c'est demain, si on mange plus de frites, que les industriels travaillent moins avec de l'huile végétale, pour la santé aussi, hein, des consommateurs, est-ce que derrière, on aura moins de carburant? Alors, je pense que la question, elle est un petit peu double. Aujourd'hui, il y a plutôt une offre abondante par rapport à la taille du marché. Donc, je pense qu'il n'y a pas tellement de craintes à avoir à court terme. La question se poserait plutôt s'il y avait une extension rapide et brusque de ce marché-là, parce que effectivement, là, l'industrie aurait du mal à suivre l'augmentation de consommation. Maintenant, vous l'avez dit, hein, effectivement, on va pas manger plus de frites pour faire du carburant. Maintenant, il y a des technologies de plus en plus complexes qui sont mises en œuvre. Je prends l'exemple de l'usine Neste de Rotterdam qui va encore quasiment doubler sa taille de production d'ici 2 ans. Il y a des unités qui se montent en Espagne, il y a Total qui a annoncé doublement de son projet à Grandpuits. Alors plutôt sur des carburants aériens, mais globalement on est un peu sur les mêmes technologies. Donc il y a des projets dans le monde entier sur ces technologies-là. Maintenant, le challenge va plutôt être de traiter des matières premières qui ne sont pas encore traitées aujourd'hui pour élargir le spectre et pouvoir justement produire de plus en plus de carburants bas carbone. Les industriels aujourd'hui de l'alimentaire, ils ont des réglementations à suivre pour ce recyclage finalement de leurs huiles végétales. Alors, c'est pas que les industries agroalimentaires, hein, même les restaurants de quartier ont des obligations, donc effectivement. Donc ça, en Europe, c'est un marché très mature. Maintenant, il y a des zones dans le monde où l'organisation de la collecte doit encore être effectuée, donc il y a encore des nouveaux gisements qui vont arriver. Maintenant, tout le monde parle de biomasse aujourd'hui. On regarde comment se fait le tri des ordures ménagères aujourd'hui. On a encore des ressources disponibles et tout l'enjeu est d'arriver à transformer ces matières-là. Bon, en tout cas, entre HVO et Bessant, le cœur balance, mais plutôt vers le HVO finalement en termes d'utilisation, en tout cas dans le choix qui a été fait par Liber. Ouais. Et pour vous, auprès de vos clients, alors vous êtes 100% HVO ? Non, pas du tout. Maintenant, dans l'usage, effectivement, quand on parle d'engins de chantier, etc., effectivement, les homologations se font plutôt sur du HVO que sur du Bessant, pour les raisons que Florian a données, c'est que le Bessant, c'est plutôt un produit français et que les motoristes sur des engins de levage sont plutôt des opérateurs mondiaux. Donc, Moi, je vous remercie et je vous retrouve demain matin à 10h pour une nouvelle conférence.